Ben merci déjà, merci d'être venu. J'imagine qu'on prêche déjà un public convaincu, donc merci pour votre intérêt dans le sujet. L'idée aujourd'hui, c'était de parler du devoir de vigilance pour les entreprises multinationales et de vous montrer ce qu'on fait au sein de Sherpa, qui est une association de juristes et d'avocats, dont le motto est de protéger et défendre les victimes de crimes économiques, ça veut dire les victimes de crimes perpétrés par les acteurs économiques. Et pour ce faire, il y a plusieurs moyens d'action qu'on vous détaillera par la suite. Juste en quelques mots sur mon parcours, parce que souvent, on a une vision assez caricaturale du monde des ONG, une vision non professionnelle. Et ce que j'aimerais vous démontrer, c'est que nous, toutes les deux, on est avocates, et qu'on a des parcours très, très différents, mais qu'on a exercé dans différents types d'organisations. Et pour ma part, j'ai travaillé en organisations internationales comme le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. J'ai travaillé en Russie aussi pour le Parlement européen. Ensuite, pour un cabinet d'avocats, pour des entreprises. J'étais consultante pendant plusieurs années et ça fait 5 ans que je suis à Sherpa comme responsable du programme Globalisation et droits humains. Pour vous dire qu'on n'a pas un prisme anti-entreprise, forcément, on n'est pas jusqu'au boutiste du judiciaire. Simplement, c'est vrai qu'on a à cœur de protéger et défendre les communautés de victimes qui viennent à nous. Et pour ce faire, on utilise le contentieux, mais pas uniquement. On utilise aussi le plaidoyer. Notre objectif principal étant d'essayer de faire correspondre le droit, les cadres juridiques à la réalité économique. Donc Sherpa a été créé en 2001, c'est-à-dire qu'on est pionnier en fait sur les questions de responsabilité société mère filiale et sous-traitant. Pourquoi on s'est concentré sur les violations commises par les entreprises multinationales? Parce que j'imagine que vous le savez tous. Aujourd'hui, les entreprises multinationales, pour certaines, sont plus puissantes que les États. Quelques chiffres. Par exemple, le chiffre d'affaires cumulé des 10 premières entreprises multinationales au monde est supérieur au PIB du Brésil et de l'Inde. Vous avez les 5 plus grosses entreprises multinationales dont le PIB est égal aux 46 pays les plus pauvres. Et enfin, 50 des plus grosses entreprises européennes totalisent 22% du PIB européen. C'est pour vous dire aussi que quand elles commettent des exactions, quand il y a des violations des droits de l'homme et de l'environnement, c'est souvent proportionnel à leur puissance de frappe. Et les catastrophes dont vous avez dû entendre parler aussi, et qui fait qu'on se mobilise, c'est pour les plus anciennes, Bhopal, par exemple en Inde, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la catastrophe de l'Erika pour ce qui concerne les dommages environnementaux. En France, c'est le Rana Plaza. Je vois des sourires, je ne sais pas si ça veut dire que c'est des noms qui vous parlent. Le Rana Plaza, c'était l'effondrement de l'usine au Bangladesh en 2013 qui a causé la mort de plus de 1200 personnes, essentiellement des femmes qui travaillaient dans des usines de confection du textile pour lesquelles la plupart des donneurs d'ordre étaient des grandes multinationales européennes. Que vous connaissez, Auchan, Carrefour, Camailleux. Voilà. Donc, ces dernières années, le poids, en fait, et la mobilité des entreprises multinationales leur ont conféré une puissance qui ne s'est pas accompagnée de contreparties. Et ces contreparties devraient permettre, justement, de protéger ou de sauvegarder l'intérêt général ou le bien commun. Donc, alors que, souvent, les multinationales sont à l'origine des décisions qui entraînent des dommages graves, que ce soit sur l'environnement ou de violation des droits de l'homme, et qu'elles récupèrent les bénéfices à la fois de leurs filiales et de leurs sous-traitants, elles ne sont pas responsables juridiquement. Ça veut dire que, je pense que vous le savez, aujourd'hui, le droit n'a pas évolué de la même façon et à la même vitesse que le commerce international. L'organisation du commerce international répond à une logique de groupe, à une logique économique. Or, le droit, il est fait, il est compartimenté, et chaque entité du groupe est sujette de la législation dans laquelle elle a son siège social. Donc, ce qui fait un éclatement des responsabilités. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les multinationales, elles ne peuvent pas avoir leurs responsabilités juridiques engagées en cas de préjudice causé par ces activités. Parce que le droit international, j'imagine que vous en avez tous fait, aujourd'hui, n'offre pas aux États les moyens de contrôler ces multinationales. Donc les multinationales ne sont pas des sujets de droit, elles n'ont donc ni obligation ni devoir,
elles n'ont pas la capacité juridique et les conventions internationales ne peuvent leur être appliquées. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pourra peut-être revenir à la fin, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre international des Nations Unies, où il y a une initiative lancée par l'Équateur et l'Afrique du Sud pour rédiger un traité international contraignant sur les entreprises et les droits de l'homme. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ce traité international devrait comporter des obligations directes à l'endroit des entreprises ou pas. Donc c'est ce décalage, en fait, entre cette réalité économique et la réalité juridique qui nous occupe, nous, et qui fait qu'on essaye de pousser pour modifier les cadres juridiques. Et comme le doyen Roubier le disait, pour nous, le pouvoir doit être apparié à la responsabilité. Et il va sans dire que ce ne sont pas les principes volontaires, ou ce qu'on appelle droit mou, qui sont suffisants pour répondre aux dommages environnementaux qui sont souvent ceux pour lesquels on vient nous chercher ou nous solliciter, ou les violations des droits de l'homme. Donc on considère à Sherpa en fait que le droit est au service d'un consensus sociétal et qu'il doit être un outil de persuasion. Et donc il n'est pas une donnée intangible et c'est quelque chose que vous entendrez tout au long de la discussion qu'on va avoir là sur le devoir de vigilance. Et c'est quelque chose que les opposants à cette proposition de loi dont on va vous parler nous tiennent sans arrêt comme discours, c'est que ça n'est pas possible parce que le droit nous dit que le droit c'est un objet. Comme je le dis, qui est l'objet de consensus social et qui est donc malléable en fonction de ce que veulent aussi les citoyens. Alors quoi ? Qu'est-ce que le devoir de vigilance ? C'est une loi pour nous nécessaire donc pour réconcilier cette réalité juridique et cette réalité économique. On s'est servi aussi des échecs qui avaient eu lieu en France, notamment autour de l'avant-projet Catala qui date de 2005. C'est-à-dire qu'autour de cette notion de groupe et de responsabilité du groupe, il y a beaucoup d'universitaires qui se sont penchés sur ce sujet depuis des années. Il y avait notamment l'avant-projet Catala, c'était un professeur d'université qui avait été mandaté pour écrire un rapport. Et il avait proposé, donc dès 2005, d'écrire un nouvel article dans le Code civil, un article qui se serait nommé, intitulé 1360, et qui visait à faire une responsabilité du fait d'autrui qui aurait été fondée sur la dépendance économique. Donc il visait déjà expressément la dépendance économique de la filiale ou du sous-traitant par rapport à la maison mère. Évidemment, politiquement, ça n'était pas du tout acceptable pour les lobbies de l'époque, et puis ça a été renvoyé aux colonnes grecques. Et nous, ce qu'on a essayé de faire autour de ce devoir de vigilance pour sensibiliser à la fois les acteurs politiques et puis la société civile, c'est de se servir des principes directeurs des Nations Unies, qui sont des principes directeurs qui ont été votés à l'unanimité en 2011 aux Nations Unies et qui parlent du devoir de vigilance et qui imposent aux États de transcrire dans leur droit national ce devoir de vigilance. Et donc les principes directeurs des Nations Unies précise que les États doivent faire le nécessaire afin d'empêcher les atteintes qui seraient commises à l'étranger par des juridictions commerciales relevant de leur juridiction. Donc pour nous, c'est assez clair, en fait, quel est le mandat que les Nations Unies ont donné aux États. Donc on a essayé de se départir, en fait, de notre obsession qui était la responsabilité société mère filiale et donc de travailler sur le groupe pour essayer de travailler sur justement cette notion de devoir de vigilance mais d'embrasser la même responsabilité. Donc on a travaillé sur la nécessité d'instaurer une loi qui créerait une obligation de vigilance des entreprises sur leurs filiales et sous-traitants et qui ouvrirait la possibilité de recours en justice en cas de catastrophe humaine ou environnementale. La différence avec, je pense, les autres projets, c'est qu'on n'est pas uniquement sur une loi qui vise à condamner ou qui travaille sur la responsabilité, mais c'est sur une loi aussi qui parle beaucoup de prévention. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises sont plus sujettes à entendre, puisqu'elles gèrent déjà, enfin, dans leur gestion des risques, c'est quelque chose qu'elles sont censées faire. Donc la finalité de ce plan de vigilance, c'est bien d'inscrire cette proposition de loi dans la responsabilité préventive ou l'anticipation. Donc ça, c'était quoi ? Comment ? Ben, par un travail de sensibilisation. Ça fait plusieurs années que, en fait, Sherpa travaille au sein du Forum citoyen pour la RSE, qui est la plateforme nationale qui regroupe toutes les associations et certains syndicats qui travaillent sur la question de la RSE. Donc vous avez des associations comme Amis de la Terre, Amnesty International, Terre des Hommes,
La fondation Nicolas Hulot, le Greenpeace, enfin j'en oublie, et puis deux grosses centrales syndicales, CGT et CFDT. Et nous avons essayé de faire monter en puissance justement ce sujet du devoir de vigilance et de les sensibiliser à la notion, enfin à l'outil juridique. Parce que ce sont essentiellement des ONG qui travaillaient sur le mode de plaidoyer, mais au sens un peu aussi name and shaming. Et l'idée d'utiliser le droit pour arriver justement à leur fin, c'est quelque chose dont Sherpa peut se prévaloir. Donc on a mobilisé ces associations. Et aujourd'hui, sur ce devoir de vigilance, donc cette proposition de loi qui est à l'Assemblée nationale, dont je dirai tout à l'heure un petit peu l'historique, et qui va passer au Sénat le 21 octobre, vous avez les cinq plus grosses centrales syndicales françaises et la plupart des ONG qui se sont positionnées. Donc, en deux mots, ce qu'on a fait, la construction un peu du processus législatif, parce que c'était assez nouveau aussi pour nous, on l'a divisé en trois parties. C'est un peu l'interaction avec les décideurs politiques. Donc, comment faire en sorte qu'un sujet que vous portez soit aussi porté par des décideurs politiques, parce que c'est pas vous en tant qu'association ou même syndicat, vous allez pouvoir changer la législation. Donc on a fait beaucoup de réunions, de sensibilisation, et nous avons permis l'organisation d'une conférence à l'Assemblée nationale et également la création d'un cercle parlementaire de réflexion. Ça veut dire que c'est un cercle parlementaire dans lequel il y a différents partis politiques, mais aussi différentes parties prenantes extérieures, notamment des experts, des universitaires, et qui a permis aux parlementaires de s'approprier le sujet. Ensuite, nous avons mobilisé les réseaux influents, c'est-à-dire évidemment des juristes, des universitaires, le secteur associatif et syndical, mais aussi les entreprises, pour essayer de voir, et de comprendre que finalement le monde de l'entreprise n'est pas un monde complètement homogène où toutes les entreprises seraient violatrices de droits de l'homme et ne voudraient pas entendre parler du devoir de vigilance. Certaines déjà font preuve de beaucoup de sagesse, c'est peut-être un grand mot, mais enfin mettent en place des mesures de vigilance. Donc l'idée, c'était aussi de travailler avec celles-ci pour que on puisse voir les bad guys des autres. Et enfin, la troisième partie dans notre axe de législatif, c'était de faire circuler l'information et la mobilisation de l'opinion publique. Et donc, à ce sujet, nous avons monté différentes campagnes. Par exemple, Amnesty International avait fait une campagne « Faites pas l'autruche ». Je ne sais pas si vous l'aviez vue. C'était passé sur Canal+. Éthique sur l'étiquette aussi avait fait une campagne. Ensuite, nous avons lancé une pétition qui a été soutenue par Havas et en quelques semaines, on a obtenu 190 000 signatures, ce qui a fait un poids quand même considérable au moment du vote à l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas complètement insensibles à l'argument de l'opinion publique. On avait aussi créé un sondage CSA qui montrait que 80% des Français estiment que les drames comme le Rana Plaza pourraient être évités. 60% des Français pensent que les entreprises multinationales devraient être tenues responsables devant la justice. Donc c'est des chiffres qu'on a utilisés ensuite devant les décideurs politiques pour leur dire « Vous avez une responsabilité, regardez ce que pensent les Français ». Évidemment, ça n'est pas, par exemple, la position du Conseil national des barreaux. Ça, je me dois de le souligner, puisqu'on est à l'école d'avocats. Le Conseil national des barreaux a pris au printemps dernier une position officielle en disant qu'il appelait à suspendre les travaux législatifs. C'est quand même fort qu'un Conseil national des barreaux appelle le législateur à suspendre ses travaux. En termes de démocratie, je pense que ça se pose un peu là. Et la raison essentielle était de dire ça n'est pas acceptable en l'état, cette proposition de loi. Nous avons fait un courrier au bâtonnier et puis au président du Conseil national des barreaux en s'étonnant et s'offusquant que cette position, en fait, relève plus de la position des cabinets d'affaires. En fait, c'est quelques grands cabinets d'affaires qui défendent les entreprises multinationales et qui en oublient par là même la quantité de victimes. C'est incroyable que le barreau puisse se positionner d'un côté plutôt que de rester neutre. Donc, ça fait partie aussi d'un appel aux futurs avocats que vous êtes pour la suite. Alors, un bref historique législatif pour vous dire. Aujourd'hui, donc, c'est une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale le 30 mars dernier et qui va être débattue au Sénat le 21 octobre.
L'historique, c'est que ça part d'une proposition de loi de 2013. Je ne vais pas faire les dates exactes parce que vous allez vous endormir, mais pour vous dire qu'il y avait un consensus politique, c'est-à-dire que ces deux groupes politiques au départ que nous avions vraiment mobilisés, sensibilisés, qui s'étaient engagés, qui vraiment ressentaient ce sujet même dans leurs convictions, le groupe socialiste et le groupe vert. Ça, c'était déposé donc en novembre 2013, était suivi très rapidement au début 2014 par le groupe radical et ensuite le groupe de gauche. Ça veut dire que en avril 2014, vous avez la majorité présidentielle, les quatre groupes politiques qui soutiennent cette proposition de loi, une proposition de loi donc sur le devoir de vigilance qui visait à ajouter un article dans le code civil, dans le code de commerce et dans le code pénal. Ensuite, il y a eu des auditions d'experts, le soutien de Manuel Valls. On sentait une réticence du groupe socialiste, des députés du groupe socialiste, parce que le gouvernement commençait finalement à se dire que le lobby des entreprises était bien plus audible que la société civile en général. Et donc les Verts inscrivent dans une niche en janvier 2015 la proposition de loi. Mais le gouvernement a demandé un renvoi aux commissions. Ça veut dire que, alors même qu'il avait déposé cette proposition de loi, il décide de ne pas la voter sous la pression du gouvernement. Donc il se dédie. Finalement, donc, la proposition de loi soutenue par les Verts est renvoyée en commission. Nous avons fait beaucoup pression sur les députés socialistes pour leur dire qu'ils avaient un impératif face aux citoyens. Et donc ils ont déposé en février 2015 une deuxième proposition de loi qui n'a pas grand-chose à voir avec la première, qui reste sur le devoir de vigilance, qui ne vise plus à transcrire dans le code civil ni dans le code pénal un nouvel article sur la responsabilité, mais uniquement un article dans le code de commerce. Et puis vous verrez, le détail de la proposition de loi est un petit peu différent. Tout ça pour vous dire aussi que pour des associations, nous sommes juristes, mais nous avons dû nous confronter aussi au travail de lobby, et notamment de contre-lobby des organisations patronales, qui très souvent, et contrairement à ce que nous faisons, opère en sous-marin. Nous publions des tribunes dans les journaux, nous faisons état de notre position. Quand nous allons à Bercy ou dans les différents ministères, on le sait que nous sommes reçus. Or, les organisations patronales, là, faisaient oui, un travail de lobby un peu plutôt caché, assez désagréable, et ont vraiment fait pression sur le ministère de l'Économie pour la rédaction de cette proposition de loi. Alors le bilan sur le contenu de la proposition de loi, donc ce qui est plutôt positif sur cette deuxième proposition de loi, c'est qu'en effet ça consacre une obligation de vigilance, bon, même si c'est pour les très grands groupes, mais vis-à-vis des sociétés que ces groupes contrôlent ou de leurs sous-traitants. Ensuite, c'est que le juge peut exiger de la société l'établissement d'un plan de vigilance, ça c'est nouveau, sa publication, ou un rapport sur sa mise en œuvre avec une amende civile à la clé. Et puis le troisième point, c'est que le texte ouvre aussi en théorie la possibilité de demander réparation à la société mère ou donneur d'ordre qui aurait manqué à son obligation en cas de catastrophe. Donc là, je pense qu'on aura l'occasion avec Marie-Laure de revenir sur la question de faute de vigilance qui est assez proche de celle de surveillance. On reviendra un peu peut-être plus tard sur les détails, notamment ce qu'il y avait dans la proposition 1 par rapport à la 2 sur la charge de la preuve. Mais ça, c'est les trois points qu'on peut considérer comme positifs. En revanche, le côté négatif, ou en tout cas ce qui est bien loin de la première proposition de loi, c'est le périmètre de cette proposition de loi. Aujourd'hui, le périmètre, ça viserait donc les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement environ 120 entreprises en France, les 120 plus grosses entreprises. Donc ça exclurait par exemple des sociétés comme Camailleux qui avaient été mises en cause dans le drame du Rana Plaza dont je vous parlais au début au Bangladesh, ou des sociétés comme Perenco qui est la deuxième entreprise pétrolière française, qui est une entreprise qui est bien connue aussi pour des dommages notamment environnementaux en RDC, République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier point négatif, c'est le périmètre des entreprises multinationales qui seraient visées par cette proposition de loi. Le deuxième, c'est l'engagement de responsabilité, là, qui est renvoyé au droit commun. Ça veut dire que, autant dans la première proposition de loi, alors vous en parlera, je pense qu'il y avait un renversement de la charge de la preuve. Dans
cette proposition de loi pour la responsabilité. On renvoie au droit commun, ça veut dire on renvoie à 1382, 1383, ce que vous le savez, ça veut dire une faute, un dommage, un lien de causalité. Et aujourd'hui, c'est les difficultés que nous, on rencontre en tant que praticiens du droit pour défendre ces victimes, c'est de prouver et la faute et le lien de causalité. Donc, a priori, on reste sur les mêmes difficultés. Et ensuite, la troisième critique, c'est que c'est aussi renvoyer un décret en Conseil d'État pour préciser le contenu du devoir de vigilance. Qui dit décret en Conseil d'État dit donc renvoie au pouvoir réglementaire. Ça peut arriver 6 mois après le vote de la loi, ou 10 ans après, ou jamais. Et le contenu aussi dépendra de la bonne volonté du pouvoir réglementaire de l'époque. Donc avant d'aborder les différents points qui nous semblent, nous, indispensables, pour que cette obligation de vigilance ne soit pas réduite à un reporting amélioré. Je ne sais pas si on n'a pas parlé de ce sujet, mais le reporting extra-financier, c'est peut-être un sujet que vous connaissez ou que vous maîtrisez. Notre souhait, c'était d'éviter que ce plan de vigilance soit adossé uniquement au reporting et donc soit une façon pour les entreprises de se dédouaner de leur vigilance en simplement annonçant des choses sans avoir à les mettre en place et sans sanction. Donc ça, c'est 2 points sur lesquels Marie-Laure reviendra. Et juste donc pour finir cette présentation globale de la PPL, les critiques principales qui ont été adressées à cette PPL, donc cette proposition de loi, sont des critiques qui ont été déjà entendues au moment de l'avant-projet Catala, qui ont été entendues au moment de la proposition de loi numéro 1 dont je vous ai parlé, qui avait été soutenue par les 4 groupes, qui sont les mêmes qu'on entend aujourd'hui alors que le débat va commencer au Sénat. Donc on a l'impression que finalement, peu importe un peu le contenu, ce sont des critiques idéologiques qui se cachent derrière des arguments juridiques. La plupart des critiques, c'est que la réforme ne peut être réalisée qu'à l'échelle européenne, donc exit la France, ce qui vous permet d'attendre 10, 15, 20 ans, voire jamais, puisque pour que les 28 pays de l'Union européenne se mettent ensemble sur une question aussi épineuse, ce n'est pas demain que ça arrivera. Ensuite, que le texte est lacunaire sur le plan technique et imprécis, voire inconstitutionnel. Donc on a par exemple entendu que dans la première proposition de loi, mais comme la deuxième, on ne savait pas ce qu'était la faute. Donc ça reste imprécis, donc ça ne pourra pas être applicable. Or, la faute, comme vous le savez, n'a pas été définie dans le Code civil, et ça fait à peu près 200 ans que la jurisprudence essaye de définir ce que c'est que la faute. Mais quand il s'agit d'une faute des entreprises multinationales relatives aux droits humains, là, ça pose problème quand même, il faudrait une définition plus précise. On nous a dit aussi qu'est-ce que sont les droits de l'homme, puisque en effet c'est le terme qui est utilisé dans la proposition de loi, ou qu'est-ce que le devoir de vigilance. Donc sans rentrer dans les détails sur le contenu du devoir de vigilance, vous avez une définition de l'OCDE qui est assez précise en fait, qui définit que c'est un processus, qui est une partie intégrante des systèmes de gestion de risque des entreprises, qui permet aux entreprises d'identifier, de prévenir et d'atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, de leurs activités et de rendre compte de la manière dont elles abordent la question. Et le législateur s'est même fendu dans son exposé des motifs, puisque ça faisait partie déjà des critiques des entreprises, de faire une liste de ce que pourrait comporter le plan de vigilance pour essayer de rassurer les entreprises qui disent « mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est effrayant, c'est un objet mou à contenu indéfini ». Donc le législateur, dans l'exposé des motifs, a précisé que ça pourrait contenir, à minima, par exemple, une cartographie des risques pays par pays, la contractualisation des obligations de RSE, des procédures d'alerte et des mesures de protection des lanceurs d'alerte, des audits sociaux et environnementaux à tous les niveaux de la chaîne de valeur, une adhésion à des initiatives sectorielles et référentielles internationaux que les entreprises font déjà, des mesures de prévention de la sous-traitance en cascade, des mesures d'information ou de consultation des organisations syndicales, ou par exemple la formation des salariés. Donc ça reste quand même des guides qui permettront aux entreprises de pouvoir définir leur plan de vigilance. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, il y a un décret d'application qui va travailler là-dessus, donc qui devrait permettre de donner encore plus de grains à moudre aux entreprises qui, aujourd'hui, nous continuent à dire « on ne sait pas ce que c'est qu'un devoir de vigilance ». Sur la notion des droits de l'homme, bon, ça c'est pareil, c'est dans l'exposé des motifs, mais c'est assez clair en fait ce à quoi renvoie la notion des droits de l'homme. Ça renvoie au minimum à la Charte internationale des droits de l'homme, à la Déclaration universelle et les 2 pactes internationaux, ainsi qu'à la Déclaration de l'OIT.
Donc vous voyez, c'est encore une fois une sorte de mauvaise foi des entreprises qui ne veulent pas voir ce que pourraient contenir les termes qui ont été utilisés dans la proposition de loi. Sur le périmètre d'application du devoir de vigilance, il inclut en effet les filiales, mais au sens du contrôle L233-16, ça veut dire le périmètre de consolidation. On n'est pas uniquement sur la filiale qui serait détenue à 50%, mais plus large. Et la relation avec les sous-traitants. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui a vraiment crispé aussi le monde économique en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, moi, entreprise X, j'ai 30 000 fournisseurs. Comment vous voulez que je puisse vérifier ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne de sous-traitants ?» Donc là, il y a une définition qui a été apportée par le législateur sur la notion de relation commerciale établie. C'est un article qui est du Code de commerce, donc L442-6, et qui recouvre à la fois une suite de contrats ponctuels ou de contrats durables. Donc ça met un cadre aussi à cette relation avec les sous-traitants. Nous souhaitions une définition différente, qui est une définition qui est utilisée par l'OCDE, qui est la relation d'affaires. C'est vrai que ça reste une définition qui peut être assez large, enfin qui est plus large et peut-être un peu plus difficile à transcrire en droit français. Donc on s'est rabattu. Disons qu'on n'est pas... On n'est pas complètement insatisfait de la relation commerciale établie, même si elle est plus limitée que la relation d'affaires. Et enfin, pour ce qui concerne les sanctions donc, qui sont prévues dans cette proposition de loi, il y a une amende civile. Donc c'est une amende qui ne peut pas dépasser 10 millions d'euros, qui a une nature comminatoire. Et pour nous, on pense que l'amende civile a été rajoutée par le législateur pour donner un peu l'idée d'une compensation à ceux qui soutenaient la proposition numéro 1 dont je vous ai parlé, qui contenait une disposition dans le code pénal. Donc comme il n'y a plus de disposition dans le code pénal, ils ont rajouté cette amende civile en disant « bon, l'aspect comminatoire de cette amende civile pourra peut-être faire passer la pilule à ceux qui voulaient une modification du code pénal ». Il y a un risque, en effet, que la CEDH puisse dire que cette amende civile a une nature pénale et donc reprocher ensuite à la proposition de loi qu'elle ne définisse pas le devoir de vigilance, parce que vous savez, la légalité des peines précise que ça doit être justement, enfin, indique que ça doit être précis. Ça fait partie des risques, en effet, que la PPL encourra si elle est votée. Donc les différents types de sanctions, j'ai parlé de l'amende civile. Il y a également l'astreinte. Donc le juge peut ordonner sous astreinte à l'entreprise d'établir un plan de vigilance, de le communiquer auprès du public et de rendre compte de sa mise en œuvre. Ensuite, la publication du jugement est aussi possible. Et enfin, dans les sanctions, la responsabilité civile, 1382 et 1383, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je pense que pour donner des précisions sur notamment les points qui nous semblaient importants, sur lesquels on s'est battu dans la proposition numéro 1 et que nous n'avons pas forcément retrouvé dans la proposition numéro 2, Marie-Laure va vous parler notamment de renversement de la charge de la preuve et puis l'illustrer avec les cas pratiques qui sont les cas que Sherpa, qui font la vie de Sherpa depuis 15 ans. Et comme tout bon juriste qui se respecte, pour que vous ne soyez pas trop perdus, j'ai fait un point en deux parties, n'est-ce pas ? Avec premièrement les obstacles de fond et deuxièmement les obstacles de procédure qu'on rencontre dans nos essais de mise en œuvre de la responsabilité des multinationales. Et à travers donc l'illustration de cas contentieux que nous traitons à Sherpa, puisque je suis responsable du contentieux dans le pôle globalisation et droits humains, je suis aussi avocate de formation. Et donc l'idée, c'est de vous montrer les besoins de cette loi et de quoi vraiment on a besoin dans cette loi pour réussir à aller au-delà des obstacles que je vais évoquer. Alors, premièrement, les obstacles de fond. Déjà, en fait, on a vu avec Sandra que la soft law ne suffisait plus. Alors, qu'est-ce que la soft law? Je ne sais pas si vous êtes tous très familiers avec ça. C'est tout un ensemble de normes non contraignantes qui déjà posent le devoir de vigilance, mais qui ne sont pas contraignantes. Par exemple, les principes directeurs de l'OCDE ou les principes directeurs de l'ONU.
Mais on considère aussi que les engagements éthiques des sociétés, par exemple, constituent aussi ce bloc qu'on appelle la soft law. Et il y a aussi, par exemple, des instances qui permettent de demander aux entreprises ou aux banques de respecter les droits humains dans le monde, dans leur chaîne de production. Mais ces instances sont des instances de soft law. Donc pourquoi on a besoin d'une loi, donc de hard law, qui pose ce devoir de vigilance? Eh bien, c'est parce qu'on a expérimenté à Sherpa l'insuffisance de cette soft law. Nous avons, par exemple, utilisé le mécanisme de plainte devant la Banque européenne d'investissement pour un cas d'un gros barrage en Ouganda qui violait donc les principes de développement de la Banque mondiale et de la BEI, où on a, par exemple, été devant le point de contact national de l'OCDE, donc cette instance de plainte qui nous permet de demander à ce point de contact de faire respecter les principes directeurs de l'OCDE à certaines entreprises multinationales françaises. Nous avons donc porté plainte contre Michelin pour un gros projet en Inde et contre la Socapalm, qui est une filiale en fait du groupe Bolloré. Alors, rapidement sur la Socapalm, ce qui est assez inédit, c'est qu'on a obtenu du point de contact national un rapport final qui faisait état des manquements des principes directeurs de l'OCDE, donc qui disait bien, effectivement, le groupe Bolloré, à travers sa filiale Socapalm, viole le chapitre sur l'emploi, le chapitre sur l'environnement, le chapitre sur la communication. Première étape. Et deuxième étape, qui était encore plus inédite, on est rentré en médiation avec le groupe Bolloré et on a essayé de voir comment, ensemble, on pouvait remédier à toutes ces violations. Et on a élaboré un plan d'action à mettre en place sur le terrain pour faire respecter les droits humains sur le terrain. Au bout de 2-3 ans d'efforts de médiation, on avait choisi un organisme français et un organisme camerounais pour réellement suivre la mise en place de ce plan d'action. Le groupe Bolloré, fin 2014, nous a dit que ça n'allait plus être possible de mettre en place le plan d'action puisque une de ses filiales, Socfin, bloquait la mise en œuvre et ne voulait plus participer. Alors, nous, évidemment, on a envoyé des courriers au groupe en leur disant « Mais vous devez exercer votre influence sur cette filiale. Le point de contact national a demandé aux parties de respecter leurs engagements. » Mais pour l'instant, on en est là. 5 années de travail en commun, en négociation, devant pourtant une instance institutionnelle, mais de soft law, qui ne peut pas contraindre aujourd'hui le groupe de respecter ses engagements et de faire respecter donc les droits humains sur toute sa chaîne de production. Donc première chose, cette loi est nécessaire pour poser un devoir de vigilance de façon donc hard law. Okay. Deuxième point, cette loi est nécessaire pour prévenir les dommages. On va voir que là, nous, on a aussi utilisé la soft law de façon un peu innovante. On a fait passer la soft law, on va dire, devant les juges qui appliquent la hard law. Comment on a fait? On a estimé que le groupe Samsung et le groupe Auchan, qui avaient des engagements éthiques, qui promettaient de respecter les droits humains et les droits des travailleurs sur toute leur chaîne de production, devaient effectivement respecter ces engagements éthiques, devaient respecter cette soft law. Et on a demandé aux juges de considérer que ces engagements éthiques étaient des pratiques commerciales et que si le groupe Samsung et le groupe Auchan ne respectaient pas ces engagements éthiques à travers leurs activités à l'étranger, on verra comment, eh bien, ils étaient coupables du délit de pratique commerciale trompeuse. Alors, le groupe Samsung se dit une des entreprises la plus éthique du monde, et à travers notre partenaire chinois, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les usines de Samsung, et en plus, qui travaillaient dans des conditions vraiment indignes, incompatibles avec la dignité humaine. Pour le groupe Auchan, on s'est rendu compte, on allait au-delà encore, puisque là, il ne s'agissait plus d'une filiale, mais de sous-traitants d'Auchan. On s'est rendu compte que certains sous-traitants d'Auchan étaient présents au Rana Plaza, donc l'immeuble qui s'est effondré. Et en y retournant, donc l'équipe Sherpa s'est rendue sur place en décembre 2014, on s'est rendu compte, dans beaucoup d'usines d'Auchan à
actuelle, que les engagements éthiques d'Auchan étaient loin d'être respectés, puisque les conditions des travailleurs étaient la plupart du temps même pas en conformité aux lois bangladaises. Et pas seulement aux lois internationales, mais aussi aux lois bangladaises. Et donc, on a demandé au juge d'estimer qu'il y avait vraiment un grand écart entre ce que les boîtes nous disaient en soft law et la réalité sur le terrain. Alors, pour vous donner un update de ces cas, malheureusement, ils ont été classés sans suite, dans le même contexte politique que l'amendement Macron secret des affaires ou le rejet du premier texte en janvier en 2015. Donc ces deux cas ont été classés sans suite, mais on s'est constitué partie civile. Et on espère que donc le juge donnera un exemple dans ces cas et demandera aux multinationales de faire respecter les engagements éthiques, au moins lorsqu'elles disent qu'elles s'engagent, donc les droits humains sur la chaîne de production, au moins lorsqu'elles disent qu'elles s'engagent à le faire. Qu'est-ce que ça montre, ces deux cas? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin non seulement d'une loi qui demande une réparation, mais aussi la prévention. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendue donc, au Bangladesh en décembre 2014, et malgré ces plaintes, et malgré le fait qu'Auchan ait accepté d'indemniser les victimes, ait accepté de signer l'accord incendie-sécurité, les conditions des travailleurs dans les usines d'Auchan, actuellement, en tout cas en décembre 2014, ne respectent pas les engagements éthiques du groupe et ne respectent pas la loi bangladaise et internationale. Donc, on ne pourrait pas prévenir aujourd'hui un nouveau Rana Plaza. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui demande à un groupe, une maison mère, un donneur d'ordre, de prévenir les dommages qui pourraient survenir dans ses activités à l'étranger. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce deuxième texte, le projet de loi, pourquoi on considère qu'il ne demande pas vraiment de prévenir les dommages? Il demande aux entreprises d'établir un plan d'action, un plan de vigilance. Il demande ensuite, il donne la possibilité au juge de demander aux entreprises de montrer qu'elles ont mis en œuvre ce plan de vigilance. Mais est-ce qu'on restera justement dans ce que Sandra a appelé tout à l'heure le reporting? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est uniquement en gros publier des informations. Est-ce que l'entreprise devra uniquement faire un rapport en disant voilà, regardez comme j'ai bien respecté mon plan de vigilance? Ou est-ce que, et ça, c'est pas du tout clair dans la loi et a priori, on ne pourra pas le faire. On pourra, lorsqu'il y a un risque de dommage avéré, puisque vous êtes des juristes, vous savez bien qu'il n'y a pas que le dommage, mais aussi le risque avéré de dommage qui est important. Est-ce qu'il y aura une possibilité de demander au juge de mettre en œuvre le plan de vigilance lorsqu'il y aura un risque avéré de dommage? Eh bien, là, pour l'instant, ce n'est pas clair. Et c'est ce que le premier texte faisait et c'est ce que le deuxième texte, malheureusement, ne fait pas très clairement. Qu'est-ce que montrent aussi ces cas Samsung et Auchan? C'est que, voilà, on espère que ça va être un exemple pour demander aux multinationales de respecter les droits humains sur toute la chaîne de production. Mais est-ce que les victimes chinoises ou bangladaises vont recevoir une indemnisation? Non, puisqu'on est sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse. C'est le consommateur français qui est trompé. Donc, cela montre, troisième chose fondamentale, sur le fond, que cette loi doit vraiment poser un principe de réparation. Et c'est ce que fait Sherpa depuis 2001. On répond à des victimes qui cherchent à obtenir une indemnisation. Aujourd'hui, par exemple, le cas Comilog va peut-être réussir à indemniser 855 travailleurs qui ont été licenciés sans indemnité. Travailleurs congolais d'une société que nous estimions française, que le juge estime gabonaise. Et récemment, la Cour d'appel de Paris, le 10 septembre, a estimé que les juridictions françaises étaient compétentes, sur le fondement du déni de justice, pour donner réparation à ces victimes, indemniser ces victimes. Et on espère que c'est un bel exemple pour poser justement cette nécessité de principe de réparation. Alors, sans m'étendre sur Comilog pour l'instant, Sandra vous disait tout à l'heure que la loi fait référence au droit commun de la responsabilité. Alors déjà, on peut s'étonner que dans le code commercial, on fasse référence aux articles 1382 et 1383. C'est pas très
gracieux comme, comme rédaction. Et en plus, ben, les victimes, de toute façon, ont la possibilité de faire appel à ces articles. Et surtout, en fait, on revient au statu quo. Puisque là, on n'a plus de présomption de faute, on n'a plus de renversement de la charge de la preuve. On fait référence expressément à 1382 et 1383. Pourquoi ? Pour bien cantonner la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité uniquement en prouvant la faute, le lien de causalité et le dommage. Or, c'est ce que j'ai énormément de, énormément de mal à faire au quotidien dans les cas que l'on traite à Sherpa. C'est, un, montrer qu'il y a un dommage. Imaginez comment je montre que, par exemple, des problèmes de dos ou des problèmes d'yeux, des problèmes de reins sont dus à la pollution d'une certaine multinationale. C'est très compliqué à faire et c'est très coûteux, premièrement. Ensuite, une victime va avoir peut-être la possibilité de montrer que son dommage provient de l'entreprise qui est juste à côté d'elle. Déjà, c'est très compliqué pour elle. Alors imaginez comment une victime va essayer de montrer que sa faute n'est pas due à l'entreprise, son dommage n'est pas dû à l'entreprise qui est juste à côté d'elle, mais à une multinationale lointaine qui en fait contrôle l'entreprise qui est juste à côté d'elle. Donc c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essayait, nous en fait, et on essaiera encore devant le Sénat, de montrer la nécessité d'une responsabilité pour faute, peut-être, pour rassurer les entreprises. Il ne s'agit pas de mettre en place une responsabilité objective, mais une responsabilité pour faute qui impliquerait, un, une présomption de faute, et deux, un renversement de la charge de la preuve. Et un allègement de la preuve du lien de causalité. Si vous voulez qu'on rentre ensuite dans les détails là-dessus, je vous expliquerai, mais j'ai peur un peu de vous perdre. Donc, voilà, sachez que le premier texte permettait cet allègement de la preuve du lien de causalité, et le deuxième texte ne le permet pas. Et peut-être le quatrième point qui est essentiel sur le fond, et ce que rappelait Sandra, c'est que ce devoir de vigilance soit bien pour les filiales et les sous-traitants. Alors, pourquoi ? Je vais essayer de vous l'illustrer à travers le cas Vinci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plainte que Sherpa a fait récemment en mars 2015, sur le fondement du travail forcé. On a estimé, après être allé au Qatar, que les travailleurs migrants, donc d'Inde et du Népal, étaient en quelque sorte des esclaves modernes du groupe Vinci, sur les chantiers du groupe Vinci. On a estimé que l'infraction de travail forcé et de réduction en servitude était caractérisée, puisqu'il y avait une menace pour contraindre une population vulnérable à des conditions de travail et de logement qui sont incompatibles avec la dignité humaine. Alors ça, déjà, c'est très compliqué à montrer. Vous imaginez que les travailleurs ne veulent pas parler et qu'en plus, pour prouver toutes les conditions du travail forcé, en allant au Qatar, il faut s'accrocher. Et la deuxième chose, et il faut savoir que sur 50 pages de plainte, on a mis 30 pages à essayer de prouver que la maison mère était responsable de sa filiale. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'avoir, un, le principe de réparation, et quatre, le quatrième point, d'une maison mère envers sa filiale et sous-traitant, parce qu'on a toujours beaucoup de mal, alors qu'on est spécialisé à Sherpa, pour montrer ce lien entre la maison mère et la filiale. Dans Vinci, on a pu montrer ce lien parce que la maison mère se dit responsable de tous les travailleurs sur ses chantiers et qu'elle a compétence et les, directe pour régler les droits des travailleurs sur ses chantiers. Mais la plupart du temps, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, les quatre points essentiels, si vous voulez les retenir, sur le fond, avec l'illustration de ces cas et ces difficultés sur le fond. Alors, pour essayer d'avancer un petit peu, après, si vous avez des questions, on pourra revenir sur le fond. Maintenant, on a aussi beaucoup d'obstacles procéduraux à Sherpa. Donc, par exemple, au pénal, je ne sais pas si vous êtes familier avec le filtre du parquet. Quand on dénonce un délit devant la justice pénale française, c'est le parquet qui va décider
d'ouvrir une enquête préliminaire ou pas. Et ça, par exemple, c'est déjà quelque chose de très compliqué, puisqu'il y a une espèce de décision arbitraire là-dedans. Donc nous, on a essayé par différents moyens de contourner, toujours avec des fondements juridiques un peu innovants, parce qu'on a le luxe de pouvoir le faire, on n'est pas un cabinet d'avocats, on est une association. Donc on essaye toujours de trouver des fondements juridiques innovants. Et par exemple, dans Perenco Équateur, on a essayé de montrer qu'il ne s'agissait pas d'un délit, mais d'un crime. Et donc comment criminaliser un délit ? Par exemple, en montrant que c'est fait en bande organisée, ou dans Vinci, par exemple, en montrant que la réduction en servitude, elle est faite sur plusieurs personnes et pas une seule personne. Donc en montrant que le délit est aggravé. Ça, c'est un des moyens. Un autre moyen, c'est la constitution de partie civile. Parce que, par exemple, le parquet a classé sans suite les cas Samsung et Auchan. Mais nous, on a pu aller directement devant un juge d'instruction en se constituant partie civile. Mais là encore, c'est compliqué, ça demande des conditions, puisqu'il faut avoir intérêt à agir. Ce que permet la proposition de loi, le projet de loi, c'est d'aller devant les juridictions civiles, et donc, a priori, et de poser donc un principe de devoir de vigilance devant les juridictions civiles et commerciales, et donc, a priori, on aura plus de problèmes. Alors qu'aujourd'hui, tous les cas qu'on a tentés à Sherpa ont été possibles uniquement devant les juridictions pénales. Et un autre problème de la juridiction pénale, c'est que, par exemple, quand on se constitue partie civile, on doit payer une consignation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une consignation, c'est fixé par le juge. Et par exemple, dans un cas de trafic de bois au Liberia, dans le cas DLH, c'est une entreprise qui faisait du trafic de bois sous le régime de Charles Taylor. Donc on a estimé qu'il y avait un recel de trafic de bois. Et on a dû se constituer partie civile. Et le juge nous a fixé 4000 euros par association de consignation. Et pour une petite association comme Sherpa, c'était déjà un obstacle d'accès à la justice. Donc le plan financier aussi est un autre obstacle et grâce à la proposition de loi, normalement, au civil, ça sera beaucoup moins coûteux. Un deuxième obstacle, c'est la compétence des juridictions françaises. Je vous parlais de Comilog tout à l'heure. On a réussi, avec encore un fondement juridique assez inédit, le déni de justice à faire en sorte que des travailleurs congolais employé par une filiale gabonaise d'une maison mère française, puisse atterrir devant la justice française. Ça a été des années de combat. La Cour d'appel de Paris vient de se déclarer compétente sur le fondement du déni de justice. En disant quoi ? En disant le délai de procédure au Congo n'est pas raisonnable. Ça fait 22 ans que ces travailleurs essayent d'obtenir réparation. Donc il y a bien un déni de justice. Et le lien de rattachement avec la France est suffisant, puisque la maison mère, aujourd'hui, est française. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas trop le déni de justice, que c'est vraiment une volonté politique, là, de la Cour d'appel, de se déclarer compétente. Donc on peut se féliciter. Mais encore une fois, vous voyez bien qu'il faut des conditions très précises. On ne va pas pouvoir donner accès à la justice à tous les travailleurs d'une maison mère française qui ont subi un grave dommage sur le fondement du déni de justice. Il faut 20 ans de procédure avant de pouvoir accéder aux juridictions françaises. Et ça, encore une fois... Il y aura un pourvoi sans doute en cours de cassation. Et en plus, il y aura un pourvoi en cours de cassation, on n'est pas encore rendu. Mais en tout cas, c'est un premier pas, mais c'est encore une fois des conditions très restrictives qui montrent qu'on a besoin d'une loi plus générale qui donnerait compétence aux juridictions françaises. Et une dernière petite chose sur la compétence, peut-être. On a aussi évoqué, dans un de nos cas, le cas Rougier, la complicité d'une entreprise dans une infraction. Il faut savoir que la complicité, pour aller devant les juridictions françaises, il faut montrer que la personne a déjà été jugée dans le pays où le dommage est survenu. Et ça, imaginez... C'est presque impossible à chaque fois, puisque les tribunaux des pays d'accueil, la plupart du temps, ne sont soit inefficaces ou corrompus, et donc ne vont pas jusqu'à un jugement. Ça a été le cas de Comilog, d'ailleurs, ça fait 22 ans qu'ils attendent un jugement. Donc on a été retaqués sur ce fondement, et c'est encore une fois quelque chose qu'on espère le projet de loi pourrait résoudre. Un autre obstacle que la proposition de loi pourrait résoudre. Et la troisième chose, certainement la plus importante, c'est sur le renversement de la charge de la preuve.
Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner encore une illustration, on travaille sur le cas Perenco. C'est un cas d'une multinationale française, une pétrolière, qui est donc en RDC, mais aussi en Colombie, en Équateur et, en Guatemala. Dans tous ces pays, à chaque fois, on a pu montrer qu'il y avait des violations du droit de l'environnement, des graves violations, des maladies des populations riveraines, et un non-respect, par exemple, des cultures ou des terres, des propriétés des communautés riveraines. Pourtant, aujourd'hui, on est incapable de faire une action contre cette société tant qu'on n'a pas la possibilité de prouver le lien de la maison mère avec les filiales dans les différents pays. Et je peux vous dire que les multinationales, en tout cas comme Perenco, sont très bien organisées. Elles ont les moyens de s'organiser juridiquement pour qu'on n'ait pas accès à ces documents. Il y a une opacité organisée. Et ce que permettrait le renversement de la charge de la preuve dans la proposition de loi, c'est que l'entreprise doive elle-même prouver, puisque c'est elle qui a connaissance de son lien, qui a connaissance de son pouvoir sur ses filiales et de ses sous-traitants, doivent prouver qu'elle a bien mis en œuvre le plan de vigilance et qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un dommage. C'est ce que permettait le premier projet de loi. On demandait à ce que la société en cause prouve qu'elle a bien mis tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le dommage. Aujourd'hui, le projet de loi, malheureusement, est assez flou, même si on peut espérer que le juge l'interprète de cette façon, mais reste assez flou sur le renversement de la charge de la preuve, puisqu'elle énonce uniquement que le juge peut demander à ce que l'entreprise démontre qu'elle rapporte la mise en œuvre du plan de vigilance. Et encore une fois, on n'est pas certain qu'il s'agisse uniquement d'un rapport et que l'entreprise doive démontrer qu'elle a tout fait pour éviter le dommage. Et donc, je ne sais pas si vous captez la subtilité, mais elle ne devra pas démontrer que son plan de vigilance a évité le dommage. Elle devra juste démontrer qu'elle a mis en œuvre un plan et pas forcément tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un dommage. Et donc, ça sera plus difficile de montrer, que ce plan a bien été mis en œuvre, et deux, qu'il y a un lien de causalité entre le plan de vigilance et le dommage. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est assez compliqué à expliquer, mais en tout cas, le projet... Voilà, on est... Et juste une chose qui vous montre à quel point c'est difficile aujourd'hui et à quel point c'est essentiel ce renversement de la charge de la preuve. Nous, en fait, on est une toute petite équipe à Sherpa. C'est extrêmement coûteux et extrêmement difficile. Il faut aussi une expertise pour aller récolter des témoignages, comme on l'a fait au Qatar, au Bangladesh, en Afrique, pour les différents cas. Et imaginez, encore une fois, les communautés. Elles n'ont absolument pas les moyens financiers ou les moyens, l'expertise juridique. Donc c'est ce qu'on essaye d'ailleurs de faire dans un de nos projets de renforcement de capacité, ce qui s'appelle la caravane juridique. On est allé pour l'instant dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest et on essaie de sensibiliser la société civile ces questions pour qu'elle puisse faire valoir le droit des communautés directement dans les pays d'accueil et qu'elle soit familière avec cette récolte de preuves qui est très difficile. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ce dispositif législatif qui implique que les entreprises doivent montrer qu'elles ont bien respecté ce devoir de vigilance. Et peut-être une dernière chose qui est différente du projet de loi, mais qui peut vous intéresser. Il faut savoir que dans Comilog, on a dû faire 855 dossiers individuels. Imaginez un cas similaire. Parce qu'il n'y a pas de class action en France. Voilà. Ouais. J'allais y venir. Et en fait, c'est très coûteux et c'est très... ça prend un temps considérable. Imaginez, on a dû calculer l'indemnisation de chacun de ces 855 travailleurs. Alors que s'il existait une class action, pas seulement pour le droit de la consommation, parce qu'elle existe aujourd'hui pour le droit de la consommation, on pourrait, et c'est aussi quelque chose qui pourrait être prévu dans le projet de loi, on pourrait faire en sorte que ces victimes, de façon groupée, accèdent à la justice de façon plus facile, moins coûteuse, et que du coup des associations ou des avocats les représentent beaucoup plus facilement. Voilà, alors du coup, c'était pour vous brosser un petit peu la difficulté aujourd'hui
de mettre en œuvre la responsabilité des multinationales, que ce soit au niveau du fond, mais aussi des obstacles procéduraux, et pour vous montrer que ce projet de loi pourrait, si possible, donc renforcer la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité des multinationales et contourner ces obstacles.